Bonjour, je vais vous montrer un petit badling là sympathique pour tout simple. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vais vous montrer quand même. Donc ça me sert à pêcher au fond. Et en général, ça marche très bien. Quand il y a du poisson, bien sûr. Donc je me sers d'un plomb comme ceci là. Il est creux à l'intérieur. Donc ça fait qu'il coulisse sur le fil. Donc je fais mon badling. Donc mon badling, il est en fluoro. Hein, c'est invisible, donc ça permet de prendre du plus gros fil. Donc en bas, je mets un émerillon, si on peut appeler ça. Un rolling, exactement, c'est un rolling. Je fais un nœud. Je fais en général toujours un nœud avec 5 tours, hein, c'est fiable. Hein, il y a des années que je fais ça, j'ai jamais eu un nœud qui s'est desserré. Donc je fais 5 tours comme ça autour. Je repasse dans la boucle ici. Voilà. Et j'humidifie. Et je serre. Et voilà, un nœud qui ne se défera pas. Je coupe l'excédent de fil. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça, cette longueur-là, ce sera mon badling. Donc on peut laisser de 50 à voire 1 mètre. Bon là, pour faire plus court, je vais laisser ça, quoi, ici, hein, en sachant que la distance, on peut même très long. Là, je monte un hameçon. En général, je monte un hameçon comme ça. Enfin, c'est libre, hein. Chacun met un long pour le plat ou un rond. Ça, c'est un 4, un numéro 4. Donc, on peut déjà faire de belles prises avec ça. Donc, pareil, hein, je fais une boucle. Toujours pareil, hein. Un nœud tout simple, comme ça. Et je fais 5 tours. 5. Je repasse dans la boucle ici. Je mouille. Et je serre. Hop. Et ça, c'est un nœud qui ne se défera pas. Je coupe l'excédent. Donc ici, j'ai la partie de mon badling. Celui-ci, il restera comme ça. Voilà. Donc au-dessus, je monte mon plomb. Donc je passe. Ben, vous passez. On peut passer ce que le diamètre que vous voulez. Bon, un gros diamètre c'est mieux parce que avec le plomb, bon, un tout petit diamètre sera peut-être un peu fragile, mais bon, quand on arrive dans du 35-40 centièmes voire plus, puisque c'est le haut de ligne, donc c'est pas important, puisqu'ici en fluoro le poisson ne verra pas le bas de ligne malgré un 45 centièmes. Voilà, donc je vais monter sur un fil classique. Hein. Voilà. Admettons que ça, en bas de ligne. Et je monte le plomb comme ceci. Je passe juste dedans. Voilà. Et ici, toujours un nœud, 5 tours. Dans la boucle, je mouille et voilà, le nœud, ça ne se défera jamais. Hop. Ce qui fait que
Je me retrouve avec mon dadling. Voilà. Et là, je peux vous assurer qu'on lance très très loin. Si au-dessus, vous pouvez monter avec du... Je l'ai fait là actuellement, avec de la tresse. J'ai monté ma tresse directement sur les mérillons ici et le plomb là. J'ai pêché une semaine sans faire une casse sur du 15 en tresse, du 15 ou du 18. Et là, hop, vous lancez très loin. Et là, quand le poisson crache dedans, quand il prend l'appât, si vous laissez un peu de mou à la canne, il part avec. Hop, il s'en va. Il le mange. Et voilà, le tour est joué. Avec ça, je pêche de la dorade, les poissons de fond, du bar, tout ce qui se présente, le petit grondin, tout. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah. Et à une prochaine fois pour un autre tuto.